Hey, est-ce que tu es un expert de marque? Choisis le bon logo et obtiens un point par bonne réponse. Niveau super facile. Ces deux pommes sont à moitié mangées, mais laquelle est croquée du bon côté? Ah, je vois. Je croquerai toutes mes pommes de ce côté alors. Est-ce que tu peux repérer le logo de la NASA? Ah ah, pas de jaune autour de la boulette bleue. C'est noté. Un petit oiseau qui gazouille. Mais lequel? Ah ouais, celui de droite a trop de plumes. Est-ce que tu sais à quoi ressemble le logo Rolex? Cette couronne m'a l'air bien plus réelle. Crocodile de droite ou crocodile de gauche? Là est la question. Droite. Je me disais bien que celui de gauche était un peu trop rondouillet pour être sur un polo. Je suis sûr que celui-là, tu vas trouver tout de suite. Eh oui! Évidemment, le vrai logo Adidas est à gauche. Je ne te donnerai pas d'indice, mais je connais la réponse. Nananer! Je t'avais dit! Ah, celui-là est difficile. Je vais vérifier dans ma garde-robe. Ou c'est de la triche? Donc, le gros matou de Puma saute vers la gauche. C'est bon à savoir. Quelque chose cloche avec l'un des deux logos. Mais tu dois t'en sortir tout seul. Ouais, il y a deux flèches dans le logo Citroën, pas trois. Ah, facile celui-là. Je n'avais aucun doute. Il faudrait que tu fasses ta lessive toi-même pour connaître le logo de ce savon en poudre, n'est-ce pas? Donc, vert en haut et rouge en bas. Ok. Quel logo te paraît plus vrai? Le fabricant de voitures a opté pour le premier logo. Les deux m'ont l'air ok. T'en penses quoi? Moins de rouge, plus de bleu. Intéressant. Niveau épineux. Dommage que je préfère le thé. Je savais que c'était celui-là. Je ne suis pas un expert en gaz et pétrole, mais je crois avoir la réponse. J'avais raison. Celui-là est vraiment compliqué. Miam! Maintenant, je sais à quoi ressemble le logo de ma pizza préférée. Est-ce que tu sais quel est le logo de cette marque d'appareils électroniques super connue? Oh, bien joué! Il y a peu de différence entre ces deux logos, mais un des deux est faux.
C'est celui de gauche qui est le logo de cette marque d'ordinateur. Coca-Cola ou Coca-Cola? La réponse est Coca-Cola. Je rigole. Le bon logo, c'est le premier. Miam, je suis sûr que tu vas deviner le prochain. Oh, j'en étais sûr que celui-ci était un peu plus onduleux. On va savoir si tu regardes assez MTV. Pour ma part, je regarde suffisamment. Hé hé! Ils m'ont l'air tous les deux pareils. Oh, je vois la différence. Mais c'est trop tard. Rouge, blanc, bleu ou rouge, blanc, bleu? Pas facile. Si tu as choisi le logo de gauche, tu as absolument raison. Je ne suis pas sûr pour celui-ci. Tu sais, toi? Je savais que c'était celui de droite. Fans de réseaux sociaux, déchaînez-vous. Qui l'eût cru? Insta, c'est pas mon dada. Ah, je m'en suis servi assez souvent pour savoir quel est le bon logo. C'est celui de gauche. Niveau casse-tête. Oula, ça rigole pas. Ok, le bon logo, c'est celui de gauche. Tu avais trouvé? Tu aimes faire et publier des vidéos? Tu dois savoir quel est le bon logo de TikTok alors. Tu as choisi celui de gauche? Tu as tout bon. Tu manges des hamburgers souvent? Voyons voir. On dirait que je ferais mieux d'en manger plus souvent. Oh non, encore des couleurs? Oula, difficile cette fois. Quoi? Je suis censé me souvenir de la couleur du nœud papillon? Bon, on dirait que je suis doué pour distinguer les couleurs. T'as deviné, toi? Je suis allé 1000 fois chez Subway. Je n'ai jamais remarqué que leur logo était si compliqué. C'est celui de droite. J'ai eu une bonne intuition. Je suis censé choisir entre ces deux couleurs maintenant? Dingue! D'abord le bleu foncé, puis le bleu clair. C'est le bon logo. C'est pas vrai. Je me disais bien que je connaissais le logo de droite. C'est normal, c'est le bon. Est-ce qu'il y a une différence là? Ah, je vois. Ils ont fait des antennes toutes simples au robot. J'utilise cette messagerie assez souvent pour connaître le bon logo. Oups. J'étais sûr que c'était celui de droite.
KFC et son logo. Est-ce que tu repères le vrai ? C'est celui de gauche. Regarde le tablier avec les rayures. Rayures épaisses ou fines ? Le bon logo a des rayures fines. Les deux sont colorés et jolis. J'ai triché en regardant sur Google le logo Google, sans jeu de mots. Tu as hâte de voir quel est ton niveau ? Voilà. Tu as entre 0 et 13 points. Tu ne fais probablement pas trop attention aux marques. Pour toi, ce qui compte, c'est que ce dont tu as besoin fonctionne. Si tu as entre 14 et 26 points, ça veut dire que tu achètes souvent des objets de marque. Mais ça ne t'intéresse pas suffisamment pour que tu te souviennes des logos. Tu as entre 27 et 39 points. Les marques et les logos ont l'air de t'intéresser particulièrement. Ça signifie aussi que tu as l'œil à tout et que tu fais attention aux détails.